stage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de FTL. Alors, attends deux secondes. Voilà. La dernière fois, on avait débloqué un nouveau vaisseau. Celui-là. Alors, désolé pour le fait que dans le précédent épisode, il n'y avait pas de son du tout. Donc, j'ai mis une petite musique tranquille pour se détendre. Alors, Blaster Ionic Type 2. Ces armes ayant peuvent... Ah, merde. Ah, pousse-toi la souris. C'est le tapis qui a bougé. Je suis en train de remettre le tapis. Voilà. Alors, ces armes peuvent désactiver le système cause des dommages. Ouais, et l'autre, drone qui attaque constamment. D'accord. Ok. Alors, Angie, réparation. Ah, eux, ils sont bons en réparation. Ok. Avec le croiseur, avoir trois drones fonctionnels en même temps. Ok. Ça, on va désactiver. Facile. Ah, probable. Remplir le vaisseau de maisons médicaux d'origine. Ah, cool. Donc, alors, je vais faire un petit truc. Option. Alors, je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais... Voilà. Attendez, deux secondes. Je règle juste mon micro. Mon son. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Les données, bon bah ça, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours la même histoire. C'est juste qu'on a un autre vaisseau cette fois. Alors, les NJ. Alors, le... Ah, je sais ce que je vais faire. Merde. Modif. Équipe. Page. On va l'appeler John Logan. C'est pour toi. Non. Non. J'ai dit Logan, pas Lagan. C'est moi qui sais pas écrire. John Logan. Ariel. La sirène. José, tu manquine. Oh là 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 là. José, tu manquine. Oh là 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 là. Bref, c'est une petite référence. Logan, parce qu'il me supporte, il arrive à me supporter. On a les mêmes délires. Ariel, la petite sirène, parce que c'est super beau. Bon, la petite fille, elle est bizarre, elle a pas de pied, mais c'est super beau. Et... José, tu manques Kikin, c'est référence à... comment ça s'appelle ce truc qui passe sur M6 Pas mes chers voisins, ça c'est sur la 2. Bref, on s'en fout. Je vérifie, j'ai mis le chrono, mais bon, ça c'est pas grave parce que... aïe, c'est pas run. Voilà. Quoi? Drone. Ah oui, c'est soit je mets les drones, soit je mets le blaster. Donc, il me faudrait... Marche pas les drones? Ah, il me faut peut-être quelqu'un au drone. Merde, attends. Bon, allez, c'est parti. Saut. Alors, on va passer par où? Ouais, par là. Youpi! Votre arrivée est accueillie par de nombreuses alertes informatiques. L'éclaireur rebelle automatisé à proximité des fois un virus perturbant le système des boucliers.
Espérons que... Attends, 2 secondes, change le place. L'autre souris. Dégage, la souris, t'es où? Je te mets tout, là. Oui, parce qu'en fait, j'ai 2 ordis, en fait, avec 3 souris. Youpi! Faudrait qu'un coup, je vous montre le bordel que c'est. Les clients rebelles, proximité, virus, bouclier, espérons qu'il ne causera pas de nouveaux problèmes, tant qu'on va détruire. Ok. Pourquoi? Ah oui! Oui, il m'a dit que... toi, tu viens là. Voilà, hop, mon drone. Piou, piou, piou. Toi, t'es bon en réparation, tu viens au bouclier. Aïe, aïe. En fait, vous voyez, j'ai rien branlé, en fait, hein, mais... ce que je vais faire, je vais ouvrir toutes les portes. Ouvrir? Ah oui, mes portes sont... En gros, j'ai des midi-chloriens qui viennent me... Toi, tu retournes. Oh, tu retournes au bouclier. On sauvegarde. Ouais, comme ça. Pour l'instant, on peut faire comme ça. Saut. Hop, on va mettre une arme. Modif. Ah, mince. Oui. Ok. Magasin. Ah, un magasin. Bon, j'ai rien à vendre. Ça me fait chier. Téléporteur camouflage. Un NJ. Ouais, mais j'ai rien à vendre. Fais chier. Ah, oh, c'est quoi le bleu? Ah oui, d'accord. Le bleu, c'est où on est. On est c'est d'où on a popé, en fait. Alors, vous effectuez système sans parking, distant. Ok. Bon, bah, voilà. Il n'y a pas grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose. Oh putain, des mantis, ça en fait chier. J'aime pas les mantis. Alors avant le truc, je regarde, ils ont un bouclier, pilotage, arme, oxygène. Moteur, voilà. Votre commission de purion de distraction, vous remarquez que leurs boucliers et les armes ont été mises sous tension. Ok. Ce qu'on va déjà faire, on ferme toutes les portes. On va tirer sur l'oxygène. Oui, non. Ok. Ça va être un combat d'handicapés, en fait. C'est un com... En fait, là, j'ai plus rien à faire. Parce qu'une fois sur deux, je bousille leur... Ah, oui, enfin, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à faire. J'ai oublié d'activer mon drone, en fait. Avec le drone, ça marche mieux en fait. Modif. Alors, on va commencer à se mettre un nouveau bouclier. Ça va être pratique. Je regarde, réparation, c'est bon, ils sont tous en vie. Ok.
Bon bah, on peut sortir. Hop. Vous êtes à Accept Off. Alors, 3 de carburant contre 3 drones. Ouais. Vu que j'utilise des drones, oui. Saut. Ah, détresse. Ça sert toujours. Alors, vous rencontrez un vaisseau de réfugiés dérivant dans l'espace. On dirait qu'il fuyait. L'avancée rebelle est tombée à court de carburant. Sa balise de détresse est active. Mais vous n'êtes pas certain que quelqu'un soit à bord de ces. Et ces communications. Se préparer à aborder. Ah merde! Dès que vous approchez, vaisseau. Ok. Toi, tu vas au soin. Tac. Viens D, viens D. Tout le monde là! Vu que nous on est soignés en même temps. Deux fois même, parce qu'on a notre. Comment ça s'appelle? Machin qui fait que. Bon bah, je referme les portes. Voilà. Hop, j'ouvre les portes. Tout le monde à sa place. Lui répare les armes. On va retirer le tir auto. Bah, hop, on saute. On va faire un petit tour là. Ah, mince. Cette balise est placée trop près d'une étoile super géante de classe M. Le vaisseau surchauffe actuellement jusqu'à ce que vous partiez ou mourrez. Pirate, engagez le combat. On ferme déjà toutes les portes. Alors, il a quoi? Ça? Ok. Tir auto. Sur l'oxygène. Et on active notre drone. L'ennemi sans préparer essaye de s'échapper. Ok. Voilà. Ouais, cool. Alors, j'avais dit. Saut. Sortie. Voilà. On se barre tout de suite. Pas envie de. Hop. On ouvre toutes les portes pour aérer. C'est toi, super bricolo, ou pas? Enfin, on va prendre toi et tu vas venir la réparer. Attends, non. Modif. Alors, il me faut bouclier. Ça fait deux. Voilà, j'ai un deuxième bouclier. Tout le monde à sa place. On ferme les portes. Et on saute. Secteur suivant. Alors, Zoltan, nébuleuse. On va chez les Zoltan. C'est plus simple. Les Zoltan patrouillent à leur frontière. Mais ils vous laissent passer sans que vous identifiez. Quand vous vous identifiez comme étant de la Fédération, espérons que vous n'avez pas de contrat avec les rebelles. Ok, alors, magasin, on va déjà revendre nos deux missiles parce qu'on s'en sert pas. Oh, voilà. Vendre. Ah, je peux pas vendre mes missiles. Ah, fait chier. Alors, oh, ils ont un Zoltan. Et moi, j'ai pas d'argent. Ah, longue portée.
Ah, le scanner, il est pas mal. Ah, mais j'ai pas de sous. On va passer par en bas en fait, nous. Eh merde. Il y a rien, voilà. Bon, bah voilà, il y a rien. Vous arrivez au milieu d'une tempête malgré les terribles conditions. Un éclaireur rebelle semble vous avoir entendu. Ok. Ce qu'on va faire, on va mettre l'oxygène, l'eau. Merde. Ah merde, je peux pas désactiver ça. Bon, bah, la baie de soins. Et on va te virer tes armes déjà. Hop. On ouvre toutes nos portes. Vous allez à la baie de soins. Chacun à sa place. Mais arrête! Bon bah voilà. Merci. Voilà. Ouais, non mais je sais pas jouer. On me l'a déjà dit. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien, je rigole bien. C'est très rigolo. Bon bah sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Mettez des pouces verts, commentez, partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous et je vous dis merci à tous et à la prochaine!